Le ruego tomen asiento. Please, dear colleagues, can you sit? We are going to start the vote. Vamos a pasar a la votación de las dos propuestas de resolución sobre el proceso de paz en España. 311 voix contre, 24 abstentions. La résolution présentée par les quatre groupes a été adoptée. Les démocraties ont raison de résister contre le terrorisme. Deuxièmement, cela démontre que comme on a raison de résister contre le terrorisme, il faut savoir aussi négocier et parler. Comme cela s'est fait en Irlande du Nord, cela s'est fait aussi en Espagne. But most importantly of all, we must never forget that lives have been sacrificed needlessly because people refused to talk to each other on an equal basis and equal footing. Pour la paix et pour les droits, nous ne renoncerons pas. Tout au contraire, nous sommes pleins d'espoir, de pardon et de générosité. Et pour la paix, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l'espoir de tous. My background is in peace process work. I mean, it doesn't matter what the outcome is eventually. That's for the parties to decide. It's not our decision, but to the extent that we are able to enable people to talk rather than to kill one another. Ce sont des extraits de matériaux vidéo que je récolte depuis 4 ans, depuis qu'il y a eu une motion de soutien votée au Parlement européen pour soutenir le processus de paix en Pays Basque. On a vu des eurodéputés s'exprimer et on a vu vers la fin Brian Curran, qui est un médiateur, qui œuvre actuellement sur le terrain en Pays Basque, qui est un médiateur pas des moindres, puisqu'il a déjà une expérience sur d'autres processus de paix. Qu'est-ce qui fait qu'un processus de paix aboutisse réellement? Qu'est-ce qui fait qu'un processus de paix échoue dans une région du monde et réussisse par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces différences de traitement? Vu de loin, on a toujours, je dirais, un bon sens, une bonne analyse des choses, peut-être une bonne morale, à voir que finalement ces conflits-là pourraient trouver une résolution, que les parties devraient discuter et qu'un processus de paix, ça coule de sens. Alors ces problèmes, ils sont loin, ils sont au Proche-Orient, Moyen-Orient, Extrême-Orient, et puis, qu'est-ce qui se passe au Proche-Occident, ici et maintenant? Ce proche Occident, je pense au Pays Basque, bien sûr. Et puis d'autres questions. Qu'est-ce qui fait qu'une cause paraisse légitime aux yeux de tous et qu'une autre cause similaire ne rencontre pas le même écho? Est-ce qu'il y aurait des peuples majeurs, des peuples mineurs? Qui peut décider qu'un peuple peut exister, un autre pas exister? Pourquoi est-ce que certains peuples sont dotés de droits fondamentaux et d'autres sont si peu reconnus, voire pas du tout? Est-ce que le XXIe siècle verra un jour ces peuples déchirés, ces peuples désunis, faire une belle unité dans un respect mutuel? Voilà, toutes ces questions-là, je me les pose depuis que j'ai 12 ans, depuis l'adolescence, où il y a tous ces idéaux qui traversaient mon esprit. Alors, un idéal, je dirais, par refus de voir cette humanité, un refus catégorique de voir une humanité déchirée, divisée, qui est dans un processus d'autodestruction. Il y avait un bon sens comme ça de l'adolescent que j'étais, mais qui m'a finalement rattrapé à l'âge adulte. Et puis aussi, certainement, parce que je suis issu d'une famille basque, d'une famille de la diaspora basque, et que je suis imprégné de cette culture, de cette langue que j'ai entendue, la langue de mes parents, maternels, paternels, qui ont eu cette langue aussi
véhiculées, transmises par leurs parents, donc mes grands-parents. Et pour moi, cette langue, c'était la langue de l'amour. Certainement pas la langue de la désunion, de la division. Certainement pas ce qu'on m'avait appris aussi à l'école, à savoir que je ne pouvais pas apprendre cette langue sans que ce soit un frein pour apprendre mon autre langue, la langue française. Et donc on m'a posé ces idées-là, très curieuses, que ça pouvait aussi m'empêcher d'évoluer socialement que d'être dans cette culture différente. Mais fort heureusement, j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres éléments par l'enseignement scolaire ou autre, qui m'apportaient un autre éclairage, une autre espérance. Platon, qui disait que dans la diversité, il y a l'unité, et l'unité se nourrit de la diversité. Cette quête articulée autour de l'idéal d'amour, de vérité, de justice, que j'ai retrouvée aussi d'une certaine façon par l'idéal de Gandhi qui me parlait beaucoup, puisqu'il avait réussi à négocier avec l'anglais, en pratiquant l'ahimsa, l'ahimsa qui est la non-violence, littéralement c'est la force d'aimer, la force positive d'aimer. Il avait une technique de résistance, le satyagraha. Satyagraha, c'est ce qui tient à la vérité. On retrouve tous ces éléments. Et puis aujourd'hui, maintenant, j'ai envie de relier un petit peu ce qui a fait un petit peu ce pourquoi je suis motivé par la paix, de par mon histoire personnelle, et puis de par mon métier, puisque je réalise des documentaires, un documentaire d'investigation, où je cherche à rencontrer les gens qui sont sur le terrain, qui sont dans des postures d'idées différentes, de conflits, mais aussi des acteurs qui sont dans la médiation, qui ont le métier de la médiation, qui agissent parce qu'ils ont un background, comme j'ai montré quelques extraits, qui ont déjà vu au travers d'autres processus de paix comment ça fonctionnait, comment ça pouvait éventuellement aboutir. Et j'ai envie de croiser ces autres processus de paix, ceux qui ont échoué bien sûr, mais ceux qui ont réussi, de voir par la magie du montage, parce que le montage permet de faire rencontrer, de faire finalement préfigurer un processus de dialogue, de rencontre, certes peut-être artificiellement, mais qui se déroule déjà, même si c'est à discrétion, il y a toujours eu un dialogue, même dans le conflit. One of our initiatives was to really try and persuade Batasuna and also Etta, but we were dealing directly with Batasuna, to take a different position and possibly to move towards at least making a statement, a strong statement about violence. And at that stage, I was trying to arrange meetings between Batasuna and the South African government, but Madrid objected and put in a note to the South African government and said that they did not want the South African government to meet with Batasuna. So obviously, for political reasons, the South African government said they wouldn't be prepared to meet. Subsequently, during a meeting with the Madrid government, when we were talking about what would be necessary to persuade Batasuna to maybe change its position, I suggested that maybe they should lift their ban or their prohibition objection to the South African government meeting with Batasuna. And at that very same meeting, there was some discussion and some higher consultation. And in fact, there was an agreement at that stage that there could be a meeting in South Africa. I arranged the meeting, set the dates, and literally 2 to 3 days before the meeting was due to happen, Arnoldo Otegi was refused permission to leave the country. He was then put in jail. He was detained, I think, the day before. And one of the other people that was coming with the group was also refused permission. So the meeting didn't happen. Donc raconté par ce documentaire, ce projet, ces différents processus de paix dans le temps, dans des géographies différentes, d'imaginer que c'est une réalité, déjà par le passé. Chaque processus de paix a influé un autre processus de paix. On regarde par exemple le processus de paix
enfin, la sortie d'apartheid, mais qui est un processus de paix, on sait que les Irlandais se sont beaucoup inspirés de ce qui s'est passé dans la sortie de l'apartheid. Ils ont créé comme ça, par cette expérience-là, les conditions, les préalables nécessaires pour arriver à ce processus qui est quand même une réussite. Et les Basques se sont inspirés également du processus irlandais. Eh bien, il y a une sorte d'histoire des conflits, bien sûr, mais il y a une histoire des résolutions de conflits, une sorte de passation de processus en processus. Et je veux raconter cela, je veux raconter finalement une sorte de jeu de domino où le processus suivant va entraîner d'autres processus. D'ailleurs, comme disait Gérard Onesta, parlementaire, qui fut l'ancien vice-président du Parlement européen, il disait que quand il y avait déjà le processus de paix en Pays Basque soutenu par l'Europe, il y avait d'autres peuples qui venaient le voir, qui étaient très intéressés. On n'a pas le droit, de, par exemple, de constituer des associations. On n'a pas le droit de réunion, pas le droit de manifester, pas le droit de jouir de nos ressources naturelles même. Et c'est peut-être le message vient des campements installés maintenant en dehors de Laayoune. What is happening today as we speak in Laayoune is a big waking up call to the international community that endless, an urgent, just and lasting solution to the question of Western Sahara will be a big humanitarian disaster that will cause trouble for everyone. Il y a un jeu de domino, il y a une sorte de contagion et j'ai envie de rencontrer tous ces gens-là, tous ces acteurs en suivant les médiateurs, parce qu'ils nous permettent de relier tout ça, pour voir et espérer, qui sait, que cette contagion de la paix finira par guérir l'humanité. Merci.